Avant de gagner Long Beach, nous voulions nous aventurer dans l'intérieur de l'île. Finalement, nous n'avons rien trouvé d'autre qu'une belle plage paradisiaque, bordée elle aussi de petits chalets et de fermes plongées. Very big wave because you know the fish, the higher wave comes the roof, the jetty roof, yeah, something like that. It's very big. Wow. But I never see the wave like that. That was first time in Perhentian. Before this, I never see. It's very big. But all the coral come to the beach, and also the giant clam, the big giant clam also come to the beach. What do you do when the hotel is closed? Nothing. Sleeping, eating, sleeping, eating. Sometimes play the volleyball or football. Taxi? Kalau hutan ni tegak, kalau hutan ni dah jauh. Mana kau siap? Itu. Mungkin ada taksi. Sampai satu. Hello, taxi. Après quelques plongeons que nous avons gagné la jungle, avant de nous mettre en route vers Long Beach. Là on est sur la grande île des Perhentian et on va sur la petite île, sur une plage qui s'appelle Long Beach. On va, bon, une plage où il y a plein de jeunes, avec des bars sympas et tout, donc on a amené le frisbee, un truc un peu cool quoi, sur Long Beach, boire une bière. Parce que ici tout est musulman et on ne trouve pas de bière. On prend pas le bateau que pour boire une bière non plus, hein, mais pour boire autre chose aussi. Donc voilà, on se retrouve sur Long Beach après le bateau. C'est un royaume de touristes. Tout est fait pour s'y plaire. Plage de Long Beach, dans la plus grande des îles des Perhentian. Il est à peu près 17h30. On s'apprête à passer une fin d'après-midi assez sympathique, à base de bière locale, cocktail et filles en bikini. Et du reggae. Et du reggae. Et Damien Marley. Et je dois dire que une étape assez sympa. C'est donc ici que nous allions passer notre soirée. Ou du moins, c'est ce que nous pensions avant qu'une tempête ne fasse irruption et nous force à rentrer. Après avoir croisé quelques pêcheurs, c'est depuis notre plage que nous allions admirer le spectacle final.